coucou à tous, c'est parti pour une nouvelle Click and Fit. Je vais, avant d'ouvrir cette box que j'ai reçue hier matin, on est dimanche aujourd'hui, je vais revenir sur ma précédente aventure Click and Fit. J'ai fait une petite méga grosse boulette, on va dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce haut rose, un peu vieux rose. Voilà, je vous ai dit que c'était dommage qu'il n'était pas bien taillé, que c'était bizarre qu'il y ait des pinces à l'arrière. Voilà, tout simplement parce que je l'avais mis à l'envers. Donc, c'est une amie abonnée qui me l'a dit, mais quand je l'ai... C'est vrai que j'aurais dû m'en douter quand je l'ai dit que les pinces étaient derrière. Enfin, franchement, j'étais en train de dire une grosse boulette. Mais bon, bref. J'ai envoyé un mot à la marque quand j'ai répondu au questionnaire en leur disant que je m'étais trompée et que malheureusement, c'était pas eux qui avaient fait l'erreur, mais moi qui avais merdé. Et je leur ai également supprimé dans mon questionnaire la couleur moutarde. J'ai également précisé pour le pantalon que je n'aimais pas les slims et que je ne les avais pas cochés. Donc je n'avais pas compris pourquoi j'avais reçu un jean slim. Qui d'ailleurs va très bien à Marine et qu'elle a gardé et qu'elle est super contente. Et puis qu'est-ce que je leur ai dit d'autre pour cette box là que j'ai reçue? Ah oui, je leur ai demandé quelque chose d'à la fois chic et on va dire confortable pour mon travail, parce que j'aimerais bien changer un peu mes fringues de travail, même que je travaille dans la poussière et tout ça, j'aimerais bien changer. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. J'espère qu'ils ont compris ce que je voulais. La box est sur mes genoux. Donc là voilà, j'ai juste, je vais cacher mon adresse quand même, j'ai juste enlevé le, défait le scotch et on va ouvrir ensemble. Alors elle est assez lourde hein, j'avoue. Alors je vais enlever la facture et tout ça, je vais le mettre là. Je vais le mettre de côté avec le retour parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Et alors elle a souffert du transport, mais voilà comment c'est dedans. Donc c'est parti, on va ouvrir. Le premier vêtement que je prends, c'est un genre de chemise de la marque, je vais vous montrer, hein, Vera Moda en taille L. Alors je ne sais plus ce que j'ai mis comme taille, si c'est L ou M. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie parce que j'ai peur que ce soit un petit peu grand, mais bon, faut que j'essaye. C'est un très joli haut un peu beige dans une, alors je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit peu de dentelle. Voilà, il est pas mal du tout hein. De toute façon je vais les essayer après. Donc il est très joli, il est assez long. Alors il a des manches resserrées à cet endroit là c'est très léger, c'est très fluide hein. Ça fait penser à... je sais pas ce que c'est comme qu'est-ce qui marque là-dessus? C'est marqué blouse VM Sandra Less Beige, donc en taille L. Et est-ce que j'ai un... Oui, alors il faut que je regarde les étiquettes parce que sinon je m'enquiquine avec des fringues qui se lavent à la main ou je ne sais quoi. Donc c'est fabriqué au Bangladesh. Alors ça se lave à 30, ça c'est cool. C'est 100% polyester. Bon, je vous avoue que je préfère le coton. Et ça se repasse, donc je pense que c'est pour ça que c'était un petit chouïa froissé, donc voilà, je le repasse. Mais je vais l'essayer après, hein. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la box, je ferai les essayages, et en même temps des essayages, je vous dirai si je garde ou pas, et si ça me plaît ou pas. Donc il est assez long, parce que moi j'aime bien quand c'est long pour travailler, et bah écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'ai serré. Pour l'instant, bon, c'est très léger. Hein, donc l'hiver, ce type de matière, je trouve que c'est un peu light. Surtout que moi, je travaille dehors, enfin pas mal en extérieur. Premier haut, alors j'ai un débardeur noir. Donc évidemment, on voit bien à travers. Je sais pas. Je trouve que... Ah, c'est pas mal. Hein. C'est très léger. C'est une matière très fluide. Elle se sent pas, c'est top. Mais voilà, faut que je mette un haut blanc en dessous. Ouais, ça se marie pas mal avec le premier pantalon. Et ce que j'aime bien, c'est que ça descend juste en dessous des fesses. Et vous avez la petite dentelle qui est juste là. Alors je pense que vraiment, il faut que je mette un haut blanc en dessous. Et puis peut-être pas aussi marqué pour qu'on ne voit pas cette délimitation avec ma poitrine qui fait pas jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans le coup, c'est pas top. Et... alors moi en général je porte toujours les manches relevées comme ça. Donc il faut que ce soit joli manche relevée aussi. Donc c'est pas vilain manche relevée. Je montrerai à Titi et je verrai avec lui ce qu'il en pense. Mais avec le pantalon, ou alors il faut que je le mette. Peut-être on peut le mettre comme ça. Je sais pas. Non, c'est à peine assez. Puis en plus j'ai l'étiquette du jean qui me jette.
Bon, bref. Bon, à voir. De toute façon, Titi me donnera son avis et du coup, je mettrai en commentaire si je garde ou pas ces vêtements-là. Deuxième article que je prends, c'est à nouveau une blouse en taille L de la marque Ico. Ico Paris. Donc, c'est la couleur Marine 8. Ils mettent rien d'autre. C'est une blouse Madison M8. Toujours en taille L. Alors, je vous montre. Bon, c'est pas des couleurs que je porte, mais bon, c'est assez sympa. Hein. C'est, je suis pas très fleur sur les fringues, mais pourquoi pas. On essaiera. Donc, elle était pour moi très transparente. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette autre chose en dessous. Parce que je sais pas si vous verrez. Mais on voit ma main derrière. Voilà, je n'aime pas trop quand c'est transparent. Surtout quand je vais bosser. Encore une fois, c'était ce que je voulais. Hein, des fringues pour aller bosser. Donc, les manches sont resserrées au bout. J'avais pas vu, c'est doublé devant. J'avais pas vu, je dis une bêtise. Pas doublé derrière, mais c'est doublé devant. Je vais vous montrer. Vous avez une petite doublure comme ça, couleur bleu nuit. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez des petits liserés, on va dire un peu cuivre, sur toute la chemise. Donc je trouve que c'est sympa. Donc, de toute façon, je vais l'essayer tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Et vous avez un... Je vais le défaire. Vous avez un galon là, pour resserrer avec des petits bouts comme ça. C'est pas mal. C'est pas forcément mon style, mais dans le coup, ça permet aussi des fois de mettre autre chose. Et elle est bien finie, bien coupée. Je dirais qu'elle a une petite forme à voir. Bon, faut que je l'essaye. Je trouve qu'elle a une petite forme en bas qui est assez sympa. Et c'est très léger, c'est très fine. Donc pareil, pour aller dehors. Voilà ce que donne la blouse à fleurs. Ben, la taille est pas si mal. C'est un petit chouïa grand. Celui, j'ai mon miroir là, donc je regarde là-bas en même temps. C'est un petit chouïa grand, vous voyez. Les épaules, elles m'arrivent là. Donc c'est un petit chouïa grand. Les manches, c'est assez sympa. Les manches, comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Donc on voit quand même à travers, hein. Donc l'avantage de la doublure devant c'est qu'on ne voit pas. Au dos, bah, moi je mets toujours un polo derrière, donc c'est pas mal. Et ça habille bien je trouve, et puis ça se marie bien avec le jean. J'aime bien le petit côté là, je sais pas si vous... Voilà, j'espère que vous verrez bien. Et donc on voit évidemment mon polo en dessous, on voit ma pio là. Donc je pense que si vous voulez pas qu'on voit à travers, faut mettre un autre polo en dessous. Bah pareil, hein, je montrerai à Titi, on verra bien ce qu'il en pense. Ouh, ça me plaît ce qui arrive. Toujours un haut, c'est de la marque Only. C'est un blazer light gray. Qu'est-ce qu'ils mettent? C'est le All Aneta, le glitter blazer sweet. Donc blazer Aneta glitter light gris. Toujours en taille L, et je vais vous montrer, mais j'adore. Donc il est comme ça, avec un genre de col, je crois qu'on dit que c'est un col Mao, je crois. Il a les petits trucs là sur le dessus. Alors je suis pas couleur or, mais là je trouve que ça lui va bien. Et il est gris avec des... je vais essayer de vous montrer de plus près. Il a des reflets un peu argentés, ouais, comme des paillettes. Il est top, hein. J'adore. Oh, ça j'aime beaucoup ça. Donc il est comme ça, il a les boutons doubles sur le devant, donc qui sont juste là pour la déco normalement. Ce porte ouvert, donc ça je trouve ça top. J'aime beaucoup. Ça quand je vais l'essayer, j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Alors voilà ce que donne le blazer. Alors moi j'aime beaucoup. Ah, il n'y a pas de poche, hein. C'est dommage, j'aime bien les poches. Donc il se porte ouvert, hein. Alors... avec ma poitrine généreuse, faut que je fasse gaffe parce qu'en plus vous avez une grosse doublure, donc faut bien la positionner. Mais j'aime bien en plus le côté des épaules là. Et voilà le dos. Donc j'ai la poche de l'étiquette. Mais il est vraiment sympa ce blazer. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et moi j'aime bien. J'espère que Titi va aimer parce que moi j'aime beaucoup. Alors. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait tout de suite habillé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait tout de suite habillé. Ça, ça doit être un pullover de la marque. Alors, attends. Que je fasse pas comme l'autre fois, que je le mette pas dans le mauvais sens. C'est un pull de la marque Villa Close.
en taille M toujours. Hein, en taille M, t'as acheté en L. Pourquoi ils m'ont mis du L? Bon, je vais essayer. Donc, c'est le pull viril open back wine tasting Bordeaux, qui est Bordeaux. Et ça, j'adore. Faut que je vous montre, j'adore. Donc, il est, déjà, j'adore la couleur. Donc, ça, c'est un pull qui va me convenir tout à fait. Il n'y a pas photo. Et derrière, ce n'est pas le devant, hein, vous avez un. C'est échancré, comme si vous l'aviez devant en V, avec un nœud pour pouvoir attacher le haut du pull. Et ça, je trouve ça top. Il est tout doux. Il est, je pense, suffisamment long parce que j'ai horreur des trucs qui arrivent au nombril. Tout simplement parce que j'aime pas qu'on voit mon nombril. C'est en quoi? 50% viscose et 27% nylon, 23% polyester. Lave en machine aussi à 30. Ça, c'est cool. J'ai hâte d'essayer ce pull. J'ai pas de pull comme ça, j'adore. Pour le pull, il est pas mal. Je dois avouer qu'il est pas mal. Je vais vous montrer l'échancrure du dos. Je pense qu'il est un peu trop serré au niveau de là. Au niveau du haut, il faut que je le redesserre à mon avis. Mais voilà ce que donne le côté échancré. Et vous voyez, j'ai un soutien-gorge et je trouve que donc on ne voit pas à travers. Donc c'est top. J'aime bien. Il habille bien. Il est tout doux. Je pensais que ça allait gratter, mais non. Mais oui, je pense qu'il faut que je desserre le haut. Parce que vous voyez, sinon il tombe... Il tombe pas bien, puis il doit être un petit peu froissé. Je pense qu'il faut qu'il tombe un peu plus comme ça pour que ce soit plus joli. Sinon, après, voilà, ça fait tout de suite un peu tard, comme on dit. Et ah, j'aime bien. C'est limite pour l'échancrure derrière, mais c'est pas mal. Je vous remontre, j'espère que vous voyez, parce que je vois pas ce que je fais. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Et on finit par un jean. Alors, ce jean, il est taille L. Bon, de toute façon, je vais essayer. Moi, j'ai un peu grossi. C'est le jean de la marque Only. C'est le Paola. Alors, avec un nom à rallonge. Dark Blue. Et c'est un bootcut, je pense. Ça y ressemble quand je vois les pattes. Donc, ça a l'air d'être une taille haute. Donc, je vous montre. Je vous montre. Alors. Il est comme ça, donc moi j'adore les tailles hautes, boutons et fermeture éclair. Il a des toutes petites poches. Alors je comprends pas pourquoi ils font des toutes petites poches. Bon, mettons. Toutes petites poches derrière. Et vous voyez, les jambes sont évasées un petit peu. Alors ça, c'est pas mon style non plus, mais à la rigueur, pourquoi pas. Justement, ça pourrait changer des jeans que je porte. Je pense qu'il est. Ça doit aller au niveau de la taille. Je dirais que les tailles sont à peu près respectées, hormis peut-être pour les deux premiers hauts que je trouve qu'ils sont peut-être un petit chouïa grand. Le pantalon, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin je nage quoi. On peut tenir à deux là-dedans, regardez. Bon, avec une ceinture, il va tenir évidemment, hein. Il est taille haute très bien, c'est ce que j'aime. Il fait de jolies fesses, c'est pas trop mal. Et alors, vous verrez pas, je vais essayer de basculer. Je suis désolée, vous allez voir le chantier de ma pièce, mais tant pis. Voilà ce que donnent les pattes. Donc, c'est pas un jean que je porte habituellement, mais pourquoi pas, avec des talons, ça peut être pas mal. Je pense qu'avec des talons, ce sera peut-être pas trop mal. Donc voilà pour le jean. Bon, dommage, je crois qu'il faut que je revoie mes tailles parce que là, dans le coup, taille L, c'est 4 fois trop grand, quoi. Il faudrait au moins du M. Évidemment, essayer tout ça. Et avant, je vais ouvrir la petite enveloppe avec les petits mots de tout le monde. Donc, cher Gaëlle, toute l'équipe Click and Fit est heureuse de vous envoyer cette deuxième box. J'ai pris soin d'analyser votre retour qui m'ont aidé à confectionner votre sélection personnalisée. Donc elle me propose un jean slip bootcut taille haute à assortir à une blouse écrue avec de la dentelle sur les épaules ainsi qu'une blouse bleu marine au motif fleuri rouge. J'ai également ajouté à la sélection un pull effet loose rouge ouvert et noué dans le dos ainsi qu'une veste grise pailletée style officier. J'espère que ces choix vous plairont. À très bientôt, Charlotte, votre styliste personnelle. C'était pas Charlotte la dernière fois, je crois. Donc, comme d'hab, on a de quoi assortir
les vêtements qu'ils ont choisi à mettre dans la box. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça peut donner des idées de fringues. J'aime beaucoup le haut qui est présenté là avec le blazer Anetta. Évidemment, on a avec le parrainage de... Si jamais vous prenez mon lien de parrainage, je reçois 10 euros. Et vous, qu'est-ce que ça vous rapporte? Je ne sais pas, faut que je regarde. J'espère un peu quelque chose, ouais, sinon je vois pas l'intérêt. Et j'ai le détail de... Donc le sac pour envoyer les articles qui ne me plairaient pas avec l'étiquette de colis et mon de retour. Et le détail des vêtements. Alors, la blouse Madison... Alors, je vais commencer dans l'ordre où je vous ai montré. La blouse beige. Donc, elle vaut 29,99€. La blouse bleue qui est en seconde pièce, elle est à 39€. Ensuite, on avait le blazer. Le blazer Anetta qui est à 44,99€. Je vais y arriver. Le pull Villa couleur Bordeaux est à 29,99€. Et le jean est à 39,99€. Ce qui veut dire que j'ai un total de box de 183,96€ exactement. Si je prends les 5 produits... Il me rend, enfin, j'ai 20% de remise et les frais de stylisme que j'ai déjà réglés de 4,90€, je ne paierai le tout que 142,27€, ce qui je trouve est correct. J'ai montré à Titi et aux enfants, alors à l'unanimité la blouse beige c'est non, Titi n'aime pas non plus cette affaire, mais moi j'aime bien, alors je pense que je vais la garder. Le pull, j'ai un problème avec la coupe, je trouve que ça ressemble à, je sais pas, c'est comme si c'était pas cintré, enfin il y a un truc qui me gêne. Et puis le pantalon franchement est trop grand, mais avec une ceinture on rentre à 4 dedans quoi. Non c'est pas... Donc faut que je revoie les tailles. Donc je vais refaire encore un essai hein. Faut que je leur laisse leur change, parce que c'est pas évident de dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et que sans nous voir ils nous conseillent sur un truc. Donc je pense que je vais garder la blouse à fleurs, le blazer que j'adore, le blazer gris. Et puis je crois que c'est tout en fait. Je crois que le reste je vais le renvoyer. Vous en reparlerez dans la prochaine box au cas où il y en aura une autre. J'espère que j'aurai une meilleure surprise. Et je vais revoir en fait les tailles, parce que je trouve que c'est un petit peu grand tout ça. Hormis le blazer qui est en taille L, qui lui était correct. Mais en fait je trouve que les chemisiers sont un petit peu grands. Et d'un coup le pull il est bizarrement foutu en fait. Il est droit comme ça. Donc c'est dommage, j'aimais bien mais... Je crois que je vais pas le garder en fait. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.